to their victim. Hey yo les gens, c'est Dartnex, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver encore une fois devant un petit gameplay en compétitif sur Counter-Strike Global Offensive. Merci énormément pour les retours sur la dernière vidéo CSGO, la vidéo Overwatch. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse autant de vues, autant de likes, autant de commentaires positifs. Les Overwatch ça existe depuis énormément de temps, il y a très peu de Français qui en font, et je me suis dit pourquoi pas vous proposer ça. Je savais vraiment pas quoi vous proposer dernièrement, et du coup je me suis dit pourquoi pas, allez let's go, et ça vous a énormément plu. Et ne vous inquiétez pas, je vous en referai, il y a pas de problème avec ça, c'est promis. Et la dernière vidéo au moment où je fais celle-ci a 1700 vues et plus de 200 likes, c'est quand même énorme pour du Counter-Strike sur ma chaîne à moi, qui est spécialisée entre guillemets, même si c'est pas le cas, sur Call of. La plupart d'entre vous m'ont connu sur Call of pour... ouais, vous m'avez presque tous connu sur Call of dans tous les cas. Et ça me fait plaisir que la plupart d'entre vous commencent à s'intéresser un petit peu à autre chose, venant de ma part en tout cas. Donc c'est vraiment sympa, j'apprécie en tout cas tout ça. Et du coup, voilà, donc ce que vous avez devant les yeux les potes, c'est tout simplement un gameplay en compétitif. C'est tous mes moments forts d'un match avec des potes, on était à 5, donc c'est rare pour moi de jouer à 5 maintenant sur 16. Vous l'avez vu durant mes derniers streams, j'ai toujours joué solo et tout ça. Et du coup, bah, je joue avec Félix et ses potes. Félix, c'est Lexi, le designer de Monsieur le V12 et tout ça, pour ceux qui connaissent. Et il m'a invité et on joue avec ses potes. Ses potes sont plutôt sympas et ils ont un niveau plus que correct. Donc, nos games se passent plutôt bien. Là, on est sur Mirage et vous allez voir que la partie va plutôt bien se passer pour moi. Je vous ai exprès laissé les rayons X, enfin les mecs à travers le décor, pour tout simplement vous faire voir que les lignes que j'ai pris pendant cette game-là étaient pas dégueu. Je me suis plutôt bien débrouillé au niveau de ma vision de jeu. Et voilà, j'avais vraiment envie de vous montrer cette game là parce qu'elle est plutôt sympathique. Prochainement aussi, et ça va avec ce qu'il y aura pendant les prochains mois, bien entendu je continuerai à faire du CS parce que c'est un jeu que j'aime bien. Malgré que Black Ops 3 et tout ça va sortir, j'essaierai quand même de vous proposer du CS, et j'essaierai surtout de vous faire du CS en live commentary avec des condensés avec les potes et tout ça. Et il faudra que je fasse ça, mais c'est vrai que c'est dur de tous se capter, enfin de se capter en groupe, faire des vidéos et tout ça. Donc bref, j'essaierai d'organiser ça pour vous faire ça, parce que je sais que vous allez apprécier de toute façon. Mais donc voilà, donc ouais, à venir, d'ici Black Ops 3, d'ici le 6 novembre, comme je vous ai dit, il n'y aura pas de Call of, parce que j'ai autre chose de prévu. Je vais déjà premièrement faire une vidéo setup, parce que j'ai du matos en plus, donc j'ai vraiment envie de vous montrer ça, je sais que ça va vous intéresser aussi, et remercier aussi les personnes qui m'ont aidé justement à acquérir tout ce stuff pour mon setup justement, de par mes live Twitch. J'en reparlerai dans la vidéo setup de tout ça. Il y a Halo 5 qui sort début de semaine prochaine, donc je vous ferai une vidéo aussi en multijoueur dessus, une ou plusieurs, ça dépend si je vois que ça vous plaît. Et il y a aussi WWE 2K16 qui sort, ça c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur, et je ferai une vidéo pour vous en parler, pour vous donner mes impressions, et si ça vous plaît, encore une fois, eh ben j'en ferai plus, tout simplement. Et après, le 6, il y a Black Ops 3 qui arrive, donc un planning vidéo qui sera plutôt chargé. J'espère que vous serez au rendez-vous en tout cas. Je pense que oui. Et j'espère que tout ça vous fera plaisir en tout cas. Je vous remercie vraiment énormément en ce moment. Je vois que les stats de la chaîne commencent à remonter. On tape presque les 1000 vues à toutes les vidéos. Et ça, ça me tient vraiment à cœur et ça me fait super plaisir. Encore une fois, et je vous le redis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de likes à chaque vidéo. Ça m'aide énormément. Vous pouvez pas savoir à quel point et ça me touche surtout. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si la vidéo vous a plu, etc. etc. Comme d'habitude, je lis et je réponds à tous les commentaires. Pas de problème. Et puis voilà, pour ceux qui voudraient me faire un petit cadeau ou quoi que ce soit par rapport à Counter-Strike Global Offensive, je mettrai mon trade link, c'est un lien d'échange sur Steam si vous avez envie de m'envoyer des skins sur CS, etc. etc. Si vous avez des skins qui vous servent pas, si vous avez envie de me voir avec des skins à vous dans mes prochaines vidéos ou quoi que ce soit, bah ça sera avec plaisir, ça sera avec plaisir que j'accepterai votre cadeau tout simplement. Donc ce lien sera dans la description. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Steam aussi, j'ajoute tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Et promis, si jamais je reçois des skins de votre part, je les vendrai pas, je m'en servirai pas pour autre chose que jouer avec. Je trouve ça normal, je vais pas vendre des skins qu'on me donne en tout cas. Pour moi un cadeau, ça se garde, ça se vend pas. Donc voilà, c'était la petite aparté parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui demandent le trade link souvent chez les autres youtubeurs ou streamers. Donc moi je le mettrai aussi pour ceux qui ont envie. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, un max de commentaires, comme je vous l'ai dit juste avant. N'hésitez pas à check les dernières vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Dartnex. À plus. Salut!